Qu'il a remis à mes âges mon manuscrit en mettant près de
Certificat de l'UNEO. À compter du 13 août 2002, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 20 ans, il est donné au groupe fédéral OPP la main levée sur le vol 1732, le DAS 7 et les prix de l'échange, objet de la convention en date du 18 juillet 2002. Des équipements et des installations de l'ancienne société anonyme à participation publique dénommée Gouverneur Guinée, 10 août, écoutez bien, 10 août, par décret 2002. Du 12 juillet 2002. Ça veut dire quoi? Depuis 2002, le président Lassana Conté a pris un décret. Il a dissous la société. Il a donné l'instruction à qui le droit? Au ministre des Finances. Une convention a été négociée, a été signée et le ministre a fait un papier de main levée. Ce n'est pas celle qui a signé, chaque aussi qui a signé, il a signé suivant un décret que je vais vous dire. Nous vous demandons de payer ces montants.
Vous avez vu le ministre qui dit que ce ne sera pas
Parce qu'ils sont convaincus
que celui qui a la tête de bien fléchi, qui est le présent signe d'un cadeau. Je suis convaincu, comme vous, comme tous les autres, qu'il sera le président de l'avenir. Mais au-delà de ça, quand il sera le président de l'avenir, je sais qu'il sera, il tiendra la place égale entre tous les premiers. Personne ne sera premier. Ce sera la justice pour l'ensemble des premiers. C'est le vrai. Et de nous oublier. Et de nous oublier. Et d'être respectueux. Quand vous êtes collaborateur de séminaire, quand vous l'approchez, quand vous l'écoutez, quand vous sortez ici avec le président de séminaire, vous dites que c'est une chance de vie. Aujourd'hui, sur le plan national, incontestablement, dans toutes les régions de la Guinée, que ce soit en Basse-Guinée, que ce soit en Haute-Guinée, que ce soit en Moyenne-Guinée, que ce soit en Guinée forestière, l'ensemble des Guinéens sont convaincus que c'est vous êtes un homme exceptionnel. Faites un tour à Kankan. Allez dans les cafés à Kankan. Parlez-vous. Tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'on racontait à 10 ans, mieux que Jésus, mieux que Jésus, car c'est pour moi que l'on voit de la salle. Mais aujourd'hui, les Guinéens ont compris. Croyez-moi, nous n'avons pas d'adversaire. Le président Sim n'a pas d'adversaire. L'adversaire du président Sim, c'est la misère. Il lutte contre la misère. L'adversaire de Sim, c'est l'ethnocentrisme. Cet homme n'est pas en train de parler d'ethnie. Ce qui est très simple, c'est le Guinée. Mais il me dit, il me répète, la valeur de l'homme, ce n'est pas là où tu es né. Ce n'est pas qui a été tes parents. La valeur de l'homme, c'est ce que tu es, ce que tu représentes. Si tu es un homme juste, loyal, tu dis la vérité, tu mérites l'esprit de considération. C'est sur cette base-là que nous sommes parmi nous, après vous l'évangile, le premier parti. Personne. Ceux qui ont voté, ceux qui sont RPG, ceux qui ne sont pas RPG, même les pires ennemis de ce groupe, ceux qui l'ont traîné dans la boue, ceux qui l'ont insulté, croyez-moi que le président c'est vous, le même président, ces gens-là seront traités comme qu'il est, parce que nous n'avons pas dans le cœur, parce que c'est vous n'êtes pas dans le RE, parce que c'est vous ne va jamais se manier, même comme son pire ennemi. C'est très important. Je pense que c'est pour ça, et c'est pour cette raison. Que tous ceux qui ont collaboré avec nous sont en droit avec nous. Vous voulez savoir qui c'est? Allez au ministère des Transports. Je vous invite de venir au ministère des Transports. Rentrez. Voyez n'importe qui. Dites-lui qui est celui. Allez au niveau du ministère de la Pêche et des Télécommunications. Tous les ministères de la Pêche. Je n'ai jamais vu un Guinéen, un seul, parler mal ici. Je n'ai jamais vu un seul Guinéen capable de démontrer que c'est vous qui êtes capable de faire la corrigée. Personne ne peut sortir pour dire que c'est vous. Un jour, nous avons négocié quelque chose. Ce qui me fait mal, et des fois, je ne comprends pas, j'étais en train de discuter avec l'un de ses collaborateurs, le frère Kalimou. Parce que moi, j'ai connu ça quand je suis arrivé à l'église. Je n'ai jamais travaillé dans l'administration. Je ne connaissais pas, je l'ai connu quand je suis arrivé à l'église. Mais il a travaillé avec elle, il a travaillé avec Kalimou, il a travaillé avec le ministre des Enfants. Mais j'étais en train de dire, c'est des centaines de millions de dollars qui ont été utilisés dans ce pays pour faire des routes, des ponts, pour faire tout ça. Il a été ministre pendant 11 ans. Le pont de la Patra, les routes, les bras ont été animés, transformés en pont de vue. Les routes, la route nationale.
de voir le corps de la femme à moi. Mais aujourd'hui, ce corps de la femme est ici. Quand la présence est regardée, des photos et des patrouilles sont là, ils se promènent.
les gens qui sont là, ils sont assis, c'est blogueur. Je pense que le gouvernement a bien dit, parce que le monde a dit à lui ça. Si moi, honnêtement, je veux lutter, je veux que le Conakry soit propre, je prendrai simplement un pays de la sous-région. Je prends le Togo, je prends le Ghana. Nous en sommes avec la rédaction de la Constitution. Où nous
continuer à aller dans les quartiers, à les sensibiliser, parler des projets de société de l'UNDG, parler de Sénégalais, parler, rassurer les Guinéens que demain Sénégalais est président, il ne sera pas président de l'UNDG, il sera président de l'ensemble des Guinéens. Vous devez continuer à faire ce travail et écouter la direction nationale du parti. Nous avons décidé au niveau de la direction nationale du parti, à partir de maintenant, nous sommes au bureau. 7 jours sur 7, tous les jours, le bureau est fonctionné. Nous serons là-bas. Les responsables ont l'occasion d'être là. Si vous avez besoin de n'importe quelle information, venez au bureau. Restez en contact avec les comités de base, avec les sections, avec les fédérations et tenez-vous prêts. L'UFDG est un parti bien organisé, bien situé. Restez à l'écoute de la direction nationale. Mais comme je vous ai dit toujours, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Monsieur le président, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. En vous remerciant tous, en remerciant les gens pour ce bon sujet, en vous remerciant les militants, cette partie de la MDG, en vous disant encore un grand merci. Je finis en disant merci. Pour